laisser une dernière fois avant la fin du spectacle. Check. 1, 2, 3. Et vous êtes bons, super! Donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Pour un public en or. Honnêtement, là, vous êtes un public souhaité, désiré par tous les animateurs. Alors, avant de procéder, on va remercier chaudement, sincèrement, tous nos partenaires. Sans eux, ce ne serait pas possible, toute cette belle magie, cette soirée. Est-ce que vous avez eu du plaisir ce soir? Oui! C'est un peu grâce à eux, beaucoup grâce à eux. Alors, on a des catégories de commanditaires. Les partenaires platine, d'abord. On aimerait remercier la première chaîne de Radio-Canada. Eux, ils fournissent beaucoup de visibilité, d'abord. Et ensuite, ils permettent un enregistrement des chansons de nos participants. Alors ça, c'est vraiment important. Et puis ensuite, ils font une émission spéciale aussi au sujet de la croûte de la chanson. On remercie aussi l'ARCAN, c'est l'Association des radios acadiennes communautaires du Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai inversé deux mots, mais c'est pas grave. Eux, ils font beaucoup de publicité à travers toutes les radios francophones de la province. Et puis, on les remercie beaucoup pour faire tourner le CD d'Acro par la suite. On remercie la télévision Rogers. Il y a Danny qui est parmi nous ce soir. Il se promène un peu partout. Il est en train de préparer, lui, avec le reste de son équipe, une émission qu'il va diffuser durant la finale de À coup de la chanson. Ça va être filmé, puis diffusé de façon en direct. Et pour les commanditaires or, on a la province du Nouveau-Brunswick et le patrimoine canadien, Cap Acadie. Pour ceux qui est argent, Théâtre Capitole, qui ont laissé des locaux pour Accro, et l'Acadie Nouvelle. On parle maintenant de nos partenaires bronze, les derniers mais non les moindres. Nous remercions chaudement la polyvalente W.A. Lozier pour nous accueillir ici en fin de semaine. On aimerait aussi remercier Estroch Lighting and Services. J'ai vraiment de la misère avec celle-là. Tu l'as eu. Ils vont me dire, ils vont m'éteindre ma lumière si je l'ai mal dit. Puis, sinon, on aurait eu une soirée, vous ne nous auriez pas entendu et vous ne nous auriez pas vu. Ça fait que c'est vraiment important. On les remercie chaudement. Et puis, Mistral Communication, la Francofête en Acadie, Music NB. Merci, merci, merci. Bien sûr. Et également, la communication, la Francofête, Music NB, le Centre scolaire communautaire Samuel de Champlain. On les nomme deux fois parce qu'ils sont tellement bons. OK. On les remercie. Le Festival acadien de Caraquette, qui offre une vitrine en première partie d'un artiste professionnel au grand gagnant, un solo, un groupe. Le Sommet de la chanson de Kedgwick, qui offre une place automatique dans son concours à un des finalistes. Et les loisirs socioculturels de l'Université de Moncton, qui offre une vitrine au Café Campus, qui est un excellent campus, pour les grands gagnants. Alors, c'est ça pour les remerciements. On vous remercie le public. Vous êtes, comme j'ai dit déjà, un super public. Les participants, wow! Vraiment, on est impressionnés par le niveau de qualité, le sérieux des participants. Et puis maintenant, on vous invite de nouveau sur la scène. Votre porte-parole, Marie-Philippe Bergeron, cette fille qui sait comment croquer dans la vie, et elle a cet appétit qu'elle sait traduire dans sa chanson. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai écouté son CD en montant en Tracadie. Ça donne l'appétit. Alors voilà, maintenant, on vous laisse avec cette charmante jeune demoiselle. C'est juste magique. Juste avant de commencer, vraiment sérieux, là, les jeunes d'accro, je trouve assez ça trippant. Elle était là tantôt en arrière, puis j'ai regardé, puis elle était même pas stressée. Il était là, puis ben relax, il jouait de la guitare, il chantait des tunes. Puis je me disais, hey, moi, j'étais même pas censée chanter, puis là, j'étais là collée contre le mur, tu sais, puis je faisais mes exercices de yoga, puis je faisais des respirations comme enceinte. OK, allez-y, go! Non, mais hey, sérieux, là, moi, il me semble, je me souviens d'être au galop de la chanson, là, puis d'être comme les jambes, j'avais la fourmi. Tu sais où c'est la fourmi? C'est comme dans les jambes, là. Ça s'accroche au mollet, puis là, ça grimpe. Ça grimpe, à un moment donné, tu te rends compte, puis t'es rendu en mode vibe, tu sais.
Je peux pas rester, je peux pas rester en fourmi. Je peux pas rester comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu fais, Marc-Philippe, pour pas rester en fourmi? Je dis, ben, je vais écrire chanson pour calmer le cœur. Voilà, c'est déjà mieux. Il se rapproche comme un amoureux, tout près de moi. Je le sens qui bat en deux quatre, je crois. Ça ne peut mentir, le début d'un sourire, c'est déjà ça. Et c'est très bien pour moi, j'ai confiance avec raison qu'après la mélodie, vient le pardon, vient le pardon. Vous savez, des fois, tu sais, dans les films, il y a comme des... Une fois, tu vois ça, des scènes, il y a comme une belle fille, tu sais, qui rentre. Ouais, une belle, belle fille, tu sais. Belle fille. Puis là, tous les gars se tournent, tu sais, comme ça. Puis là, tout est au ralenti. Puis c'est comme... ma chanson, c'est un peu comme ça. C'est tout se passe au ralenti quand Martine arrive. Oui, c'est la chanson des fesses, Philippe. La rondeur de ses pétales, bien en vue dans son corset, comme deux boules de vanille fondant dans un cornet. Une paire de fesses comme un pain sorti du four. Le regard, on la savoure en lui léchant les contours. Elle est appétissante, elle est alléchante. Féline et coquine, la belle Martine. Non, je ne suis pas jalouse, non, je ne suis pas jalouse, même pas un peu du tout. Non, je ne suis pas jalouse, non, je ne suis pas jalouse, même pas un peu du tout. À chaque occasion, elle fait son entrée magistrale en agitant la main comme fait une reine de carnaval. Je vous jure qu'en hiver, cette fille n'a jamais froid car elle enflamme les yeux des hommes rien qu'en levant le petit doigt. Non, je ne suis pas jalouse, non, je ne suis pas jalouse, même pas un peu. Non, je ne suis pas jalouse, non, je ne suis pas jalouse, même pas un peu du tout. Encore une fois ce soir, je croise un regard invitant, un petit sourire en coin qui se fait plus séduisant. Et quand il se lève enfin, je me dis, il était temps. Mais à deux pas de ma table, je devine le détour de son regard vers
La rondeur de ses pétales, bien en vue dans son corset, comme deux boules de vanille fondant dans un cornet. Une paire de fesses comme un pain sorti du four, d'un regard on la savoure, en lui léchant les contours. Elle est appétissante, elle est alléchante, féline et coquine, la belle Martine. Non, je ne suis pas jalouse, non, je ne suis pas jalouse, même pas un peu.